Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon top 10 des choses gratuites à faire à New York. Je sais, à chaque fois que je vous parle de la vie ici, je vous dis que tout est cher, l'alimentation, le shopping, tout. Mais ça n'empêche qu'il y a moyen de visiter la ville pour pas trop cher, ça fera l'objet d'une autre vidéo, ou carrément gratuitement. J'ai donc repris 10 choses que vous pouvez faire sans dépenser un seul dollar. Bien évidemment, ça ne comprend pas le transport pour aller d'un point A à un point B, mais la chose en elle-même, c'est parti. Numéro 1, prendre le ferry pour aller jusque Staten Island. C'est un ferry gratuit qui part de Wall Street, dans le sud de Manhattan, et qui va jusque Staten Island, qui à la base est fait pour les personnes qui vivent sur cette île, mais qui va vous permettre, si vous le prenez, non seulement de faire une petite balade en bateau, si vous aimez ça, ça peut être chouette, mais aussi de voir la skyline du sud de Manhattan vue du bateau, et de vous rapprocher de la statue de la liberté pour la voir d'un peu plus près. Alors certes, on ne passe pas à 50 cm de la statue, mais on la voit vraiment bien, et on peut en faire de très belles photos grâce à ce petit tour en bateau. Numéro 2, se balader dans les parcs. Certes, visiter Central Park est un must quand on vient à New York, mais il n'y a pas que ce parc. Il y a aussi le Bryant Park, qui est sur la 5e avenue et la 42e rue. Il y a aussi le Washington Square Park, qui est très connu parce qu'il a un arc de triomphe comme à Paris. Et ça, ce ne sont que quelques-uns de Manhattan, mais il y en a aussi de très beaux à Brooklyn, par exemple le Prospect Park. Donc n'hésitez pas à aller visiter ces endroits. En général, ils sont très jolis, bien entretenus, et ça vous fera une petite bouffée d'air. Numéro 3, traverser les ponts de la ville pour aller de Manhattan jusqu'à Brooklyn, ou l'inverse si vous résidez à Brooklyn. Mon préféré, c'est le pont de Brooklyn parce qu'il a vraiment une zone pour les piétons et pour les cyclistes. Attention d'ailleurs aux cyclistes, si vous allez sur ce pont, ils foncent comme des malades, donc faut vraiment faire attention. Mais la zone piétonne est séparée de celle des voitures, ce qui fait que c'est un petit peu moins bruyant, c'est un peu plus agréable de s'y promener que sur les ponts de Williamsburg ou de Manhattan, qui sont les deux autres que je vous recommanderais, qui sont très bien aussi à traverser, tout simplement parce que ça fait une balade et que vous pouvez voir une belle skyline de Manhattan, mais ils sont un peu moins agréables à traverser ces deux-là parce qu'il y a le métro ou les voitures qui sont beaucoup plus proches, donc c'est un peu plus bruyant. Et sur le pont de Manhattan, concrètement, ça vibre toutes les 3 minutes, donc c'est vraiment moins agréable. Numéro 4, un incontournable quand on vient à New York, Times Square. Certains n'aimeront pas du tout, d'autres vont adorer, mais c'est vrai que c'est quand même un endroit emblématique de la ville. Les New-Yorkais détestent cet endroit tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de touristes, mais je trouve que c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Et petit conseil, essayez de trouver les gradins qui sont à une des extrémités de la place, qui n'est pas aussi grande qu'on pourrait le penser, et asseyez-vous quelques instants sur ces gradins, vous pourrez admirer tous les panneaux publicitaires. Concrètement, Times Square, ce n'est que ça, de la pub sur des écrans géants, mais ça vaut vraiment le coup, et puis ça coûte pas un rond. Numéro 5, visiter la bibliothèque de New York qui s'appelle la National Public Library. L'entrée est totalement gratuite et vous pouvez facilement rester 30 à 45 minutes dedans, rien qu'à visiter les différentes salles ou les expositions temporaires qui y sont parfois. C'est hyper joli, c'est une bibliothèque majestueuse, grandiose, pas du tout dans le bling bling mais très classe et qui fait un petit peu penser à Poudlard. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter, je suis sûre que ça va vous plaire. Et si vous êtes fan de La Belle et la Bête, je suis sûre que vous vous sentirez comme Belle quand elle découvre la bibliothèque que lui offre la bête, quand vous serez dans une des plus grandes salles de la Bibli, parce que c'est vraiment immense, avec des étagères remplies de livres jusqu'au plafond. C'est juste sublime, il faut que vous alliez voir ça. Numéro 6, allez voir la cathédrale Saint-Patrick. C'est la cathédrale la plus connue de Manhattan, ce n'est pas la seule, et je pense que toutes les églises et cathédrales sont gratuites. Elle est très très belle, elle a une très belle architecture, et je trouve que c'est toujours sympa d'aller voir les cathédrales quand on passe dans une ville. Et ça m'amène au point numéro 7, qui sera pour les fans de Gossip Girl. Si vous voulez vous sentir Serena van der Woodsen ou Blair Waldorf le temps d'un instant, je vous conseille d'aller juste derrière la cathédrale Saint-Patrick, car c'est là qu'il y a le Lot Palace, qui est l'endroit où Serena vit avec sa maman dans la série. Et de remonter un peu plus loin, sur la 82e rue, sur le côté est de Central Park, vous avez le Metropolitan Museum of Art, le Met, et ses célèbres escaliers où Blair prenait toujours son petit déjeuner, ses petits yaourts avec toute sa bande. Deux endroits mythiques de la série que je vous conseille d'aller voir. Numéro 8, admirer le Flatiron Building depuis le Madison Square Park. C'est une petite place où d'un côté on peut voir ce magnifique bâtiment qui est en forme de fer à repasser et où de l'autre côté on peut apercevoir l'Empire. C'est super joli, c'est un chouette endroit où se poser pour lire un petit peu ou faire un petit peu de shopping parce qu'il y a aussi quelques magasins chouettes dans le coin. Je vous conseille vivement d'aller voir ce bâtiment. Numéro 9, se promener sur la High Line. C'est une ancienne voie ferrée de métro aérien du Lower West Side qui a été réaménagée en parc urbain. Ça fait un peu plus de 2 km et c'est une véritable balade dans la nature entre les grands buildings de New York et c'est vraiment super chouette.
surtout en été. Et le numéro 10, c'est visiter la gare de Grand Central. C'est une gare mythique, hyper connue et très très grande, et aussi très très belle, qui renferme un petit secret, la Whispering Gallery. C'est un hall où le plafond est voûté, et quand vous vous mettez à un coin et à l'autre coin, à l'autre bout de la pièce, vous pouvez vous parler en parlant au mur, donc la face collée au mur, et l'autre personne vous entendra comme si elle était à côté de vous. C'est magique et c'est une petite curiosité de la ville qui ne coûte absolument rien à aller voir et à tester. Et voilà pour mon top 10 des choses à faire gratuitement à New York. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des recommandations à me faire, si vous connaissez la ville ou si vous avez entendu parler de choses, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je referai une deuxième vidéo sur le sujet. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi j'aime beaucoup les faire, j'aime beaucoup vous faire découvrir la ville et surtout trouver des petites astuces pour que ça ne coûte pas trop cher. Faut bien dire ce qui est, c'est quand même mieux. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront juste là, à vous abonner à la chaîne et à aller voir une autre vidéo en attendant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.